J'adresse directement à Monsieur Paul Kagame. Je vais envoyer ce message à d'autres Yendi comme vous, d'autres Tutsi comme vous. Suite à vos propos sur RFI, ils vous feront la traduction en anglais, ou peut-être que vous parlez également le français. Monsieur Kagame, vous avez signé et persisté à dire sur RFI que la partie Nord Kivu, Sud Kivu vous appartient. Je sais pertinemment que ce message va vous parvenir. Pourquoi n'avez-vous donc pas pris cette partie quand vous avez un autre Yendi à la tête de notre pays? Kanembe, alias Kabila, tout simplement car il vous fallait un pantin comme Félix. Il me semble, Monsieur Kagame, que selon la loi Majaïka, que nous, Congolais de souche, nous reconnaissons, ce qui appartient aux Congolais reste aux Congolais. Vous avez fait vos accords avant que Monsieur Félix Tshisekedi soit nommé par vous. Ce qui veut dire par conséquent que votre accord est nul. Et laissez-moi vous rappeler une bonne chose, Monsieur Kagame. Vous avez également en 2007 tout fait pour obliger mon peuple a signé un document qui disait qu'il vous cédait le Nord Kivu, le Sud Kivu, un référendum. Ce que mon peuple a bien évidemment refusé, Monsieur Kagame. Vous vous souvenez? Alors, pour pouvoir prendre un pays, pour pouvoir qu'un pays vous donne une partie, il faut que le peuple soit d'accord. Et en tant que représentante de mon peuple, je vous dis que mon peuple et moi-même, nous ne sommes pas d'accord. Félix n'est pas le Congo. La minorité de Tutsi qui se font passer, enfin la majorité, pardon, excusez-moi de ce petit lapsus, la majorité de Tutsi qui ont le malheur de se faire passer pour l'ethnie d'où je viens, les Baluba, et faire croire aux Congolais qu'il y a un problème ethnique. Et c'est eux qui se mettent en avant et c'est eux qui sont derrière Félix qui sont venus. La vraie présidente de Félix n'est autre qu'une des vôtres, Denise Nyakarabou, à qui vous avez appris la prostitution, une hirondelle qui a mis ses griffes sur Félix. Félix n'a aucune intelligence intellectuelle pour diriger un pays. Ceux qui soutiennent Félix aujourd'hui sont ceux à qui vous, les IND, vous avez donné des miettes pour qu'ils puissent vous soutenir, Monsieur Kagame. Et vous le savez pertinemment. Si vous, vous pensez que le Nord et le Sud que vous va vous appartenir, vous rêvez. Si vous dites que la mort des Congolais qui se trouvaient dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, la terre de leurs ancêtres, ne vous concerne pas, laissez-moi vous dire une bonne chose, Monsieur Kagame. Cela vous concerne. Ça fait 18 ans, jour pour jour, 19 ans, jour pour jour, 20 ans, jour pour jour, que mon peuple est assassiné par vous en complicité de vos autres Yendi, des Tutsis, pour voler notre terre. Sachez une chose, si nous perdons le Nord Kivu et le Sud Kivu, nos enfants seront élevés dans l'idée qu'il faut le reprendre, car c'est notre pays. C'est pas parce que vous êtes parti chercher vos vrais frères, car vous êtes un Somalien, vos vrais frères, Monsieur Kagame, Somaliens, pour les ramener à l'est du Congo, que ce pays vous appartient. Monsieur Kagame, le Congo n'est pas à vendre. Si vous avez donné derrière à Félix quand il était à quatre pattes, si Félix a mangé ce qui vous sert de petit engin, c'est votre problème, pas le nôtre. Continuez à boire le sang de vos vaches de sang et évitez, continuez à boire encore et encore le sang de vos vaches et laissez le sang des Congolais tranquille. Pour nous, le peuple congolais, vous êtes coupable. Et vous savez quoi, Monsieur Kagame? Vous, tous les cas, vous êtes coupable. Et sachez une autre chose, Félix est également coupable. Et les personnes qui ont le malheur de croire que Félix est le président, c'est tout simplement vos frères que vous avez déguisés en Moulouba. Kamere, Kanambe, Kagame, James Kaberebe. Vos prénoms sont tellement insupportable à dire, Monsieur Kagame, sachez une chose, je me fais juste une conviction dans mon cœur. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Je vous jure, Monsieur Kagame, avant la fin de ma mort, avant que je rentre ses pieds sur terre, nous allons récupérer cette partie. Vous n'avez pas réussi à prendre cette partie. Après, vous avez fait un référendum qui a échoué. Ensuite, vous avez demandé à mon peuple de vivre avec des violeurs. Une fois de plus, on vous dit non. On vous demande de débarrasser le plancher. Vous et votre peuple, vous êtes coupables de la mort des Congolais. Alors, vous pouvez passer dans toutes les chaînes de télévision que vous voulez, Monsieur Kagame. Nous passerons aussi. Vous avez essayé de faire croire aux Américains que les Banyamulenge étaient des Congolais. Ça a échoué. Maintenant, vous payez des millions. Kamere vient de donner 12 millions aux Américains. Kamere vient de donner 5 millions à un avocat français, 7 millions en cours de négociation à un avocat allemand. Vous pensez quoi? Comment je sais tout ça? Comme vous, vous avez mis vos pions à l'intérieur des institutions françaises, moi aussi je fais partie de ces institutions. Et je vous jure, Monsieur Kagame, je vous jure, je travaille pour de plus en plus monter, être plus haut. Et un jour, croyez-le ou pas, si vous
On n'était pas sous occupation. Aujourd'hui, j'aurai un poste pour défendre les Congolais. Je n'ai qu'une seule mission dans la vie. C'est mon peuple. C'est la défense de mon peuple. J'envoie ce message à tous les Yendi. Vous pouvez prendre notre pays. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous allons le récupérer. Et votre province, le Rwanda, nous n'allons pas le balkaniser pour le mettre dans notre pays pour l'intégrer. Non. Ce que nous allons faire, c'est vous et tous ceux qui étaient avec vous, les accompagnateurs, iront vivre sur vos terres et vous en ferez ce que vous voulez. Félix, retiens bien ces mots. Tu vois où on est, Félix? Je suis une Moulouba comme toi, Félix. Naza Moulouba Netiyo, Félix. Mais je ne peux pas être comme toi. Tu es la honte de la nation congolaise. Et tous les Rwandais qui se font passer pour les Balouba pour amener le conflit ethnique contre nous alors qu'il n'y a aucun conflit. Mes frères et sœurs, ne les écoutez pas. Ils sont sur Internet, ils disent « Ouais, Balouba, ils sont ceci. » Ils insultent les Balouba pour que les Balouba se défendent et ainsi de suite créer ce qu'on appelle un conflit pour montrer aux Américains que c'est bon. Si en 1982, on vous a refusé la nationalité congolaise, Monsieur Kagame, on n'est pas Congolais qui veut. D'accord? Alors sachez-le, peut-être qu'avant vous avez des gens comme Félix, j'avais 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans pendant le conflit. Mais aujourd'hui j'en ai 33, 34 même. Il y en a d'autres qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine. Nous avons compris l'importance de notre pays et les richesses qu'il y a au sous-sol. Alors vous entendre parler m'énerve de plus en plus. Maintenant vous avez la bouche parce que vous savez pertinemment que votre balkanisation a été signée au mois de juillet, Monsieur Paul Kagame. Vous avez signé les documents au mois de juillet. Et vous le savez très bien que vous vous permettez de parler ainsi, Monsieur Kagame, car c'est vous qui gérez le Congo. Et ça, nous le savons. Et cette gérance va s'arrêter définitivement. Alors Monsieur Kagame, laissez-moi vous dire, peu importe où vos Yendi de frères vont vous enterrer, nous irons vous déterrer et nous couperons vos corps, votre corps en décomposition, ou nous couperons ce qui est vos os qui resteront. Vous êtes déjà un os. Nous couperons tout et nous vous jetterons à la mer pour qu'il n'y ait aucune trace de vous. L'humanité se rappellera de vous, Monsieur Kagame, le Hitler d'Afrique. Et nous n'oublierons pas nos morts. La différence entre Léopold II, c'est qu'on n'a pas voulu que ce qui nous est arrivé arrive aux autres peuples. C'est pour ça qu'on a accueilli votre peuple merdique. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait, Monsieur Kagame, vous nous avez pris quelque chose. Si tu vois un singe avec des saletés dans les yeux, ne lui enlève pas. Car dès qu'il va retrouver la vue, il te giflera. Monsieur Kagame, votre peuple nous a giflé une fois, deux fois, trois fois. Nous n'avons rien appris. Mais ma jeunesse à moi a appris. Et nous avons une détermination, une conviction. On va finir avec vous. Et définitivement. Et tous les Baloubas qui soutiennent Félix, écoutez bien ceci, venez nous rejoindre. Et tous les faux Baloubas qui se font passer pour les Baloubas, écoutez bien ceci, allez rejoindre vos frères les Yendi. L'armée, nous l'avons, le peuple congolais. Nous sommes la plus forte armée du monde, c'est le peuple. Peuple congolais, de voir des femmes se faire violer, et il dit que ça ne sera pas attribué à son peuple. Alors là, tu rêves. On prouvera que Félix a été nommé par vous, ce que le monde sait. Monsieur Kagame, continuez à parler, on verra bien qui rira le dernier. Prenez, nous reprendrons.